Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on découvre et on teste et on invoque sur Dislight un nouveau jeu qui est sorti il y a 2-3 jours. Je joue depuis sa sortie, bien sûr. Mais malheureusement, j'ai déjà découvert le jeu. Mais malheureusement, j'ai pas eu les drops que je voulais. Du coup, j'ai reroll. Je suis à mon cinquième reroll, 3 multi par compte. Malheureusement, je n'ai pas drop ce que je voulais ou ce que j'espérais avoir. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à me donner votre avis. Moi, je vous donne directement mon avis. Après, on va partir invoquer tout en allant explorer les personnages, en continuant mode histoire, etc., etc. Tout d'abord, l'histoire est bonne. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a énormément de modes de jeu. Le jeu est complet, il y a du PVP, il y a des guilds, il y a des bonus de connexion pas mal. Je dirais que vraiment le seul point négatif, c'est que le taux drop est réellement très très bas. En sachant que j'ai drop que, pour ceux qui ont déjà joué, que Liling sur 4 rerolls, enfin sur 4, ouais, c'est ça, 4 rerolls et 3 multi par contre, c'est très 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 bas. Sur ça, on continue. Je trouve ça très bas en sachant que ça joue énormément sur de la RNG. Et ils auraient pu largement, réellement largement monter à 2,3% de taux drop pour des légendaires. Et voire monter à 15%, 15-17% pour du 4 étoiles. Parce que la difficulté à partir d'un certain chapitre devient extrêmement dure. C'est vraiment à la limite de se dire comment je fais. Est-ce que je fume ma stamina pour farm les équipements, mais je dois attendre le lendemain ou la nuit pour refarm le mode histoire et gagner quelques tickets réinvoqués ou les économiser? Ou tout fumer, avoir des doublons et monter en stats sur les personnages 3-4 étoiles. En sachant que vous avez plus. 100 fois plus de chances de dropper 3 doublons, 2, 3, voire 4 doublons sur un personnage 3 étoiles, que drop ne serait-ce qu'un seul perso 5 étoiles. Je dis pas que les persos 3 étoiles sont inutiles, mais ils sont énormément, énormément fragiles. Ce qui fait qu'en un tour, voire 2 tours, ils sont déjà butés en fait. Quel que soit le stuff que vous leur mettez. Entre plus 10 et plus 15, c'est trop trop peu en fait. Du coup là on farm, on va essayer de vite speed ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez drop en dehors de Liling ou de Son of Wukong pour savoir si je suis le seul malchanceux dans l'histoire. Ok. On a bientôt terminé le chapitre 1. On va faire les deux premiers chapitres parce que si je ne dis pas de bêtises, en terminant les deux premiers chapitres et en rentrant le code, pour avoir des trucs supplémentaires, on a pas mal de trucs pour faire notre première multi. On va aller même à la seconde multi. Du coup, je vais essayer d'aller très rapidement, de couper les séquences longues, histoire de vous priver, enfin, histoire d'enlever toute l'ennui, toute la partie ennui de vidéo. De la vidéo plutôt. Ah, j'aurais pas dû utiliser l'ulti. Bon, tranquille. À chaque fois, j'oublie qu'il y a 2 tours sur le dernier, sur le boss. Voilà, on fait rapidement, je réfléchis pas trop, j'en ai pas besoin, c'est les premiers niveaux. Graphiquement, le jeu, il est très réussi, hein. Pour moi, le jeu est vraiment réussi. C'est juste que c'est un jeu qui n'est pas très très friendly. Vous voyez? Par exemple. Quand vous allez finir votre première multi, parce que sur la première multi,
Vous avez un perso garanti, enfin sur les 10 premières invoques. D'ailleurs, le taux de drop en multi ou en single est identique, hein. Il n'y a aucune différence là-dessus. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, le jeu n'est pas très friendly. Du coup, si vous droppez pas les bonnes unités en 3 étoiles ou vous n'avez pas beaucoup de doublons sur les 3 étoiles, vous allez galérer à avancer. En sachant que le taux de drop sur les 5 étoiles reste du 1%, tout se joue sur la RNG et sur la luck. Et réellement, si vous n'avez pas de luck, le reroll va être très très énervant. C'est du 1 de reroll. Oh, excuse-moi si je baille un peu. J'ai travaillé un peu cette nuit vu que je me suis réveillé vers les alentours de 3-4 heures du matin. Vu qu'en ce moment je travaille pas, je peux me permettre de tryhard comme je souhaite un jeu pour donner un avis plus pertinent. Ok. Bon, on va couper ce passage. On est au 2.1, on va aller jusqu'au 3.1. Normalement, je peux me permettre d'aller jusqu'au 3, au 3.1 avec cette team, c'est largement suffisant. C'est parti. Bon, il m'oblige à utiliser un truc là. C'est pas ce que j'aurais voulu, mais bon. Ok, on commence à récupérer les petits cadeaux et tout. Bon. D'ailleurs, il y a un petit code pour ceux qui veulent savoir. On va aller le mettre. Vous allez choisir votre truc là ici. Vous allez dans paramètres, vous allez dans service, et vous allez dans code cadeau. Et le fameux code cadeau à rentrer est John 10 Dislight. Ils vont nous donner un petit, un petit ticket, la moitié d'une single. Du coup, on récupère tout ça. Il y a un petit pass pour ceux qui veulent. Comme je vous l'ai dit, le jeu, quand même, reste assez pay to win. Pas bah, enfin. On va dire que c'est équilibré dans le sens où le jeu il reprend l'aspect de Summoner's War et comment il s'appelle de Epic Seven. Dans le sens où le taux de drop est très bas, il n'y a pas réellement de changement entre le taux de drop en multi et en single. Genre, si vous faites une multi, vous allez pas avoir un 4 étoiles ou un 5 étoiles garanti. Hein. Bon, déjà, là on va faire ça rapidement. On va faire ça très rapidement. Il y a 5 tickets à récupérer ici. J'avance un peu au fil à mesure de la vidéo, histoire que ce soit pas trop long. Parce que là on est déjà à 7 minutes, parce que je me suis beaucoup expliqué pour vous expliquer un peu mon avis sur le jeu. Et à quoi vous allez vous attendre surtout. Du coup là on revient ici. On récupère ça. On va équiper les reliques maintenant. On est une équipe 4. Il faut qu'on les up, je crois. Crois qu'il faut que je les up jusqu'au niveau 3 ou 6. On va le faire maintenant. Amélioration auto. Ok, on a déjà formé la première multi, les gars. Du coup, là, on va partir invoquer. Ok. Du coup, c'est soit je fais 9 singles, comme ça j'économise et je vais directement sur. Je reforme hors record pour une autre multi. Soit là, j'invoque directement. Mais vu que j'ai trop la flemme de faire un par un, et on va directement aller faire la petite multi. En sachant que ce sera l'un des deux persos. On peut avoir deux persos dans une multi, bien sûr. Hein. Mais bon, vu la chance que j'ai, c'est sûr que j'allais drop que ça.
Ok, bon, allez, ouais. Ok. Je l'aime bien cette unité. Je préfère cette unité à l'autre en vrai. Voilà, le taux de drop n'est pas aujourd'hui partagé en vrai. Bon, tranquille. Tranquille. Faire ça sur notre prochaine. Du coup, là, on va faire ça tranquillement. On va aller dans mission, on récupère un peu tout ça là. Bah déjà là, on a trois tickets. On a trois tickets, on va aller sur une deuxième. Bon là, je vous montre un peu de gameplay. Parce que vu que j'ai recruté une nouvelle unité. C'est Sun Wukong là. Qui est ici. En bas à gauche, qui vient d'attaquer. Ça, c'était son ultime, hein, ce qu'il vient d'utiliser là. Avant, je devrais pas. Ouais, c'est bon, je le passe tranquille. Point positif sur le perso, c'est qu'il tank assez bien, il peut se régénérer également. Et en fait, ces deux compétences attaquent plus ou moins en zone. Sa compétence ultime attaque en zone et sa deuxième compétence attaque plutôt en rebond, on va dire. L'attaque sur une ligne, on va dire. Du coup, ça reste du multi-cible. Elle peut toucher jusqu'à 3 personnes. 3 ennemis. Ah, j'aurais dû aller l'équiper. Bon. Ok, c'est parti. Je suis 3.7, ok. À chaque fois, j'oublie d'aller l'équiper. Bon, tranquille. Voilà, on termine avec ça. Il ne reste plus que le 3.8. Après, on est tranquille. 3.8, par contre, faudra que j'augmente ce perso. Ok. Allez, c'est parti. Mes principales. On va l'équiper et le up par la même occasion. Je vous montre juste comme ça, même si je parle pas, je vous montre rapidement pour que vous compreniez comment ça marche et tout. Parti. On passe au rank up du perso. Au level up plutôt du perso. Voilà, là il est niveau 19. Normalement, je devrais passer facilement le 3.8. C'est parti. On va le faire ensemble. Histoire. C'est parti. Voilà, on a terminé le 3.8. Normalement, là, on va pouvoir aller récupérer les tickets manquants. Normalement.
Nice, ok. On récupère ça du coup aussi. Voilà, du coup on récupère, on revient sur le sur les trucs d'événements. On part sur la dernière multi, les amis. On récupère ça. Allez, c'est parti. J'ai pas assez. Ok. Après un petit farm tryharder incroyablement long, les amis, on termine le chapitre 3.8 en espérant pouvoir faire notre deuxième multi. Ça a été un peu long et du coup, il faut un total de 1 heure, les amis, environ 1 heure pour faire deux multi. C'est parti. Enfin, 4. J'ai dit 3.8, mais non, 4. Du coup, 4. Autant pour moi. Ok. Alors, écho. J'ai bégayé un peu là. Ça a été un peu long. Si je drop pas, alors là, je sais pas quoi faire. Hein. Allez, 10 multi. Allez, un petit peu de musique. Allez, ouais. Eh ben, je drop pas un 4 étoiles, mais bon. Je préfère un petit 5 étoiles quand même. Ah, j'en drop 2? Ok. C'est qui lui? Ok. Je vais voir ce qu'il donne après. Y a certaines unités 4 étoiles qui sont meilleures que des unités 4 5 étoiles. Hein. Du coup, on va voir un peu ce qu'elle donne. Elle m'a l'air un peu stylée cela par rapport à ce que j'ai drop auparavant. Du coup, lui. Ok. Ça, c'était l'auto-attaque. Attaque ennemie deux fois chacune des... Ok. Avec 60% de chance d'infliger un étourdissement. Ok, un petit stun. Il vole un buff. Ok, pas mal. Et lui? Alors, confère Crow à tous les espères alliés pendant 2 tours. Pendant ce temps, les dégâts reçus au... Oh, pas mal. 50% de chance d'infliger empoisonnement. 70% de chance d'infliger empoisonnement avec des dégâts à hauteur de 100%. Cette attaque ne peut pas être esquivée en plus. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Bah en vrai là, ça remplace un peu ce que j'ai drop sur mes anciens comptes. Certes, c'est pas du 5 étoiles, mais voilà. Ouais, ça reste déjà un meilleur compte que tout ce que j'ai pu avoir sur les anciens. C'est déjà pas mal. Sur ce, les amis, je vous dis ciao, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir. Peace.